Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo car aujourd'hui, soir, on va regarder The Voice avec ma mamie et il est déjà 13h. C'est ridicule, je tourne cette vidéo, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je devais poster une vidéo hier. Sauf que mon micro m'a lâché en plein milieu de ma vidéo. Du coup, j'ai pas su la poster. Je suis vraiment désolée. Mais rendez-vous aujourd'hui soir à 16h30. Parce que c'est l'heure où je vais poster ma vidéo aujourd'hui soir. Et voilà, à 16h30. Ou peut-être à 14h30. Voilà. Du coup, c'est pas possible ça. Voilà. Espérons que... Voilà. Du coup, pour cela, il vous faudra... Je vais vous montrer mon petit outfit. Mon petit t-shirt Ariana Grande que j'ai trouvé chez H&M. Petit pantalon à trous. Et forcément, l'assortiment. Ah, c'est ridicule. Du coup, on va aller mettre notre tablier. Le voilà, ne vous moquez pas. Hop, je vais encore en acheter à nouveau. Mais, bon voilà. Voilà. Je vous regardais en même temps là. Vous voyez ? Du coup, pour cela, on va réaliser des tomates cerises, les gars. Tomates cerises. Des mozza tomates cerises. Ça a l'air une délice. Du coup, on va goûter ça. Et c'est parti, en fait. Alors, pour cela, il vous faudra de deux bols. Moi, j'ai pris Mini et Mickey. Il vous faudra des petites mozza, deux petites tomates et de petits origan ou de l'origan, c'est ça en fait qu'on met sur les tomates. Et aussi une autre sauce, mais je ne me souviens plus laquelle. Mais de toute façon, je vous montrerai après. C'est parti, du coup là maintenant, on va commencer. Voilà. Ah oui, et deux petits cure-dents. Voilà. Alors, on va prendre un set de table. Voilà. Ça. Un. Et deux. Alors maintenant, on va venir mettre toutes les mozza. Ici. On met toutes ces petites mozza. Et grâce à notre couteau, on va venir couper la mozza. Ou c'est pas très dur. Et on va venir la laisser sur le côté. Du coup, c'est pas très dur. Demandez à vos parents de couper. Moi, forcément, je suis une professionnelle. Alors, moi, de petites tomates, petites mozza, j'en ai pris 15 pour faire au total 30 quand on les coupe en deux. En espérant que ça fait 30. Espérant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait bien 30. Et rien un peu. Oh, et prout. Je suis vraiment désolée, hein, mais bon, je suis obligée. On vient un peu les espacer. Et on vient les mettre sur le côté. Et maintenant, bah, petite tomate. Petite tomate de petite qualité. Alors, on va les compter. 1. On doit en avoir 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Celle-là est pourrie en 30. Ça, je viens la remettre là-dedans. Ainsi que la petite carotte qui est là. Et on va se laver déjà les mains. Voilà. Et forcément, bah, on a encore notre petit ouvre-gant. Et c'est là où la magie opère. Je vais faire ici. On vient prendre un cure-dent. Ou là, on va mettre une mozza comme ça. Et vous venez mettre une tomate, vous tournez la baguette et une autre tomate. Voilà. Hop. Bon. Hop. Et bam. Et c'est là où la magie opère en fait. On vient les mettre dans un petit bol. Forcément, l'autre, vous allez comprendre après, vous inquiétez pas les gars. On vient et on refait la même chose, ce qu'on avait fait. C'est parti. Peut-être que ma vidéo est pourrie, mais je suis contente de la faire avec vous. En plus de ça, ça s'appelle les idées de Julia, du coup, c'est pour faire des idées. Et si je ne pose jamais, bah, c'est normal, il y a des petits trucs à faire à la maison. Et voilà. Alors quand elle est coupée comme ça, on vient piquer le côté. Et ici, on vient la manger. Hop. Regardez comme c'est satisfaisant. Et on vient la mettre. Et on fait ça pour toutes les tomates, toutes les mozzas, etc. En espérant que ça, c'est pas trop gros. Non. Je pense que les commentaires vont être désactivés, mais si vous aimez bien ça, dites-moi, mettez un pouce bleu. Si vous entendez, c'est normal. J'ai cassé la porte, du coup. On vient la réparer. C'est normal si vous entendez pas que moi. Allez, c'est parti. Oh.
pour moi, hein, ben, comme l'éclipse est là, ça se trouve, c'est peut-être la question de ici j'ai ça accent, ou ils sont en plein, et là tu vois. Donc j'ai 809, ici j'ai 690, ça se trouve, c'est peut-être 2 ou 3 mm et qui fait ça en enrage. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est pas de là, c'est de là. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il y en a un trou. Comme un idiot a joué avec. Ah ah, ouais. Oh, mais c'est tellement pas pratique. Ils sont pas à la hauteur. C'est dommage. Et là, il va vous rester un et un. Et ben c'est normal. Un. Un. Et avec votre reste qui est là, on vient prendre un et on fait bam. Et là. Du coup là, vous allez avoir plein de trucs. Et c'est là maintenant où on va ajouter l'origan. Du coup, là maintenant, on va les mettre ici. Voilà. Et maintenant, bah, je vais aller chercher la sauce. Et de la crème de balsamique.
Et c'est là où on va venir déposer sur l'assiette de Mickey. Un par un. Hop. Mieux déclaré, il faut que je vais essayer. Je vais vous montrer ça de suite, je vais me laver les mains. Ok. Maintenant, bah, on va ranger, enfin, on va nettoyer plutôt. Voilà, je vais vous montrer maintenant. On va lui montrer ça, ma mamie. C'est parti, allez. Du coup, là maintenant, bah, j'ai filmé à l'envers. Du coup, quand je filme à l'envers, pour éviter de filmer les personnes. Quand je filme à l'envers, je dois enlever ça. Bouger ça, plutôt. Voilà, du coup, bah là, je me filme tout simplement ici. Pour éviter. Du coup, là, maintenant, je vais aller mettre ça. Je vais regarder si je suis dans l'angle ou si. C'est parti. J'ai pas dit d'aller là. Mamie! Oui! Tu veux? C'est des petites tomates mozza fait maison. Oh, ça c'est gentil, tiens ça. Je te remercie. Délicieux sauce. Je vais quand même goûter moi aussi. Hein. Ouais. Elles sont très bonnes. Mmh. Comme Georgia vient de match, je me rappelle en face.
Elle vient demain? Ouais. Ah, voilà. Et c'est ce que j'ai ce soir, c'est The Voice. Ouais. Mm. Ce soir, je vais au souper du tennis. Au souper du tennis avec Claudia. Donc tu resteras toute seule ici. Tu regardais The Voice toute seule? Non, on va remettre en vrai nuit, on sera rentré. Je t'aurais bien pris avec moi, mais j'ai pas envie que tu ailles encore avoir des réflexions désagréables de Tom Matern qui sera là avec ses parents. Non, il n'y a pas Tom Matern, je pense. Ben, si, oui, non, mais apparemment, il y a quelqu'un d'autre que tu connais très très bien. Qui? Que t'en parles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu l'adores même. Mais je n'adore pas. Tu dis. C'est Romain. Oui. Oui, Romain. Voilà. Romain, il est gentil avec moi. Et demain, je pense qu'on va aller jouer ensemble au tennis. Avec Romain. Qui a dit ça? Romain. Romain. Je me demande pourquoi t'as pas continué au tennis. Hein. Parce que le tennis, c'était chouette. Mais apparemment, j'en faisais bien. Bah ouais. Je faisais bien du tennis. Bref. Donc voilà, si tu veux venir, tu peux. Commande mamie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que toi, tes petites tomates cerises, ça t'a plu, mamie? Elles étaient excellentes ici. Ah, tant mieux. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, ça me ferait plaisir. Et lâchez-moi des pouces bleus si vous aimez les tomates mozza tomates. Tomates mozza. C'est ça. Tomate mozzarella. Apéritif. Enfin, mon petit apéritif. En tout cas, j'espère aussi que vous allez trouver la crème balsamique. Parce que j'ai mis de la crème balsamique et j'espère vraiment que vous allez trouver. Mais sinon, bah, vous pouvez mettre soit de l'huile d'olive. Ça dépend des goûts, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez-moi des pouces bleus. À mon avis, mamie, elle a aimé mes petites tomates mozza. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo avec ma tante et ma mamie. Voilà. Bisous!